Quels sont vos groupes préférés? Alors, mes groupes préférés, actuellement, j'aime beaucoup les Morning Musume et les Kyuto. C'est des groupes de pop japonaise. Donc. Et AKB48. Non, c'est faux! Non, ces temps-ci, j'écoute beaucoup de pop, c'est vrai. Mais je garde quand même mes racines rock. Hein. Un bon petit Led Zepp, un petit Queen. Je mets le volume à fond et c'est reparti. D'accord, Mais je peux ok. écouter, j'écoute des Un choses petit très différentes. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Un petit Belphégor. Alors, j'ai posé une petite question au groupe Little Kero. Je leur ai demandé, comme nous avons le plaisir de les avoir dans les studios, s'ils étaient d'accord pour nous offrir un deuxième titre. La réponse était souriante et favorable. Yay! Donc, voilà, donc c'est pour vous un deuxième titre du groupe Little Kero. Ouais, on va vous jouer Dans ma toile. C'est le titre phare de notre première EP. Donc, qu'on dédicace à Stouff. Et puis également donc à toutes les personnes, les auditeurs qui ne nous connaîtraient pas encore, c'est une de nos chansons phares. Donc voici Dans ma toile. C'est parti, Little Kero. Et petit à petit, point par point, ce n'est pas une robe que je couds, point par point. Et petit à petit, point par point, ce n'est pas une robe que je couds, point par point. J'avais peur des araignées, comme beaucoup d'autres filles déjà. Je pouvais tous les coups j'envoyais, rien d'original jusque-là. Point par point, ce n'est pas une robe que je couds, point par point. Et petit à petit, point par point, ce n'est pas une robe que je couds, point par point. C'est sûr qu'avec des jambes pareilles, on peut mieux s'habiller. Et comme les deux bras sont pareils, il y a plus de possibilités de construire sa toile d'une finesse. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Yeah. Merci aussi aux journalistes qui sont présents sur place et qui sont bien sympas. Voilà, c'est super. Donc, on va continuer en donnant peut-être encore une fois donc, quelques dates où on pourra retrouver votre musique. Vas-y. Alors, on est en concert le 26 juillet au Midland à Lille. Donc, on vous attend très très nombreux. On va jouer une grande partie des morceaux du nouvel album.
les anciens également, des petites reprises surprises. Comme à chaque fois, il y aura plein de petites choses, ça va être super sympa. D'accord. Ouais. 26 comme... juillet, ouais. Comme le dernier morceau, là, c'est un morceau qui fait partie de votre nouvel album ou c'est un morceau... Non, ça c'est un morceau de l'EP en fait, donc du premier EP qui est sorti, qui est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement légal et on écoute évidemment sur notre site internet. Et on dit que pour 5 euros. Exactement, ça, 5 ça euros fait... seulement, 5 je... titres, 5 euros, mesdames et messieurs. Je vous rappelle aussi que le CD est en vente en fait dans le café Le Comines.